Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous Café Mort, le lundi à 21h. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est un peu une mémoire, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'immigration, sur les questions de violence policière, sur la dignité. Il est passé par le MIB, le FSQP et beaucoup d'autres mouvements. Et puis, il est journaliste aussi, il est écrivain, et d'ailleurs je vous montrerai un peu aussi ses écrits. Donc ce soir, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir une des mémoires vivantes de notre époque et de l'immigration. Farid Talba, bonsoir. Bonsoir à Clé, merci pour l'invitation et puis, tes compliments. Ah ben je fais pas de compliments, je fais des portraits pour valoriser les choses des gens, mais je fais pas de compliments gratuits, c'est pas des compliments, c'est du pragmatisme, c'est dire la réalité. Donc justement, ce soir, on va partager ton expérience, ton recul, ton regard sur ça, sur les signages des luttes. Mais avant ça, Farid Talba, c'est qui Farid Talba? Il était originaire d'où? C'est quoi ton histoire? Alors mon histoire, je m'appelle Talba Farid, comme tu l'as dit, mais ça c'est le nom qu'on a hérité de l'époque coloniale, à l'époque de l'instauration de l'état civil en Algérie. Mais mon nom, c'est aussi Farid Natsi Ali. Donc, parce que mes parents viennent d'un village qui s'appelle Elma, dans l'arche des îles Lanou Samer, au-dessus d'Akbou. Et quand ils sont venus en France, ils sont venus après l'opération Jumelle en 59. Donc, ils sont arrivés comme des réfugiés de guerre, comme nos amis soudanais qui arrivent aujourd'hui aussi dans ces conditions-là. Et c'est important de le dire parce qu'ils ne sont pas venus au départ pour travailler ou s'installer en France. Dans le cadre, ils sont venus voilà, à la suite de ces événements-là qui ont été terribles pour la région. Donc c'est important de le signaler. Donc ils sont arrivés très jeunes. Ma mère avait 14 ans, mon père avait 15 ans. Et un an après, on les a mariés et je suis né. Voilà, en 1964. Et trois mois après, on m'a fait la circoncision sur la table de la salle à manger de l'appartement de Ami Mahind, Tahmarbe, le frère de mon père. Et c'est comme ça que je suis venu au monde dans ce pays. Dans alors, vite fait dit et résumé, quoi. Est-ce que, tu vas y revenir, mais pour en parler, parce que c'est important, on est là pour bien que les gens s'imprennent de notre histoire, c'est aussi important l'histoire, c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais toi, tu viens déjà de ce côté révolutionnaire, tu l'as hérité de cette vallée de la Soumam et un peu des territoires de Cheikh El Moukhalani, déjà avant, parce qu'on te parle de révolution, il ne faut pas oublier celle d'El Moukhalani et qui sont de ce territoire-là d'où tu viens. Oui, bien sûr, parce que on vient d'une région qui est riche en histoire, absolument. Hein, et puis bon, dans mon travail littéraire, notamment dans ce que je fais en ce moment avec Barbès Blues au temps du couvre-feu, c'est une façon aussi d'illustrer ce qui a pu se passer dans la région depuis plusieurs siècles. Hein. Donc effectivement, c'est une région qui historiquement a joué un rôle important dans l'opposition au régime colonial et puis par la suite pour le moment de la guerre d'Algérie, avec les ORES essentiellement. Ça ne veut pas dire que dans les autres régions il ne s'est rien fait, mais c'est important de le préciser parce que quand même la majeure partie de la population de l'époque était d'origine rurale et c'était dans ces régions essentiellement où il y avait les taux de population les plus importants. Surtout aujourd'hui où certains essaient de diviser les Algériens entre eux, au lieu de revendiquer, c'est normal de revendiquer sa culture, moi je le fais le premier, je suis aussi de cette région, je suis kabyle, fier de l'être, je défends, mais je pense que l'unité algérienne est importante. Ils se sont battus pour ça en l'occurrence. Absolument, et ce qui serait important c'est qu'en Algérie, on puisse avoir une conception qui soit moins jacobine et qui ressemble moins à celle de la France. Parce que finalement le colonialisme, il a eu, si j'ose dire, il a commencé en France en vérité. Puisqu'en France, on a pu voir avec à l'époque de après la Révolution française et au moment de la Révolution industrielle, la disparition des cultures régionales, l'uniformisation des formes de vie et des manières de penser et de la manière de parler. Finalement, le français qu'on parle aujourd'hui et puis l'identité nationale qui a été construite, elle est très jeune, elle n'est pas si vieille que ça et elle ne correspond pas toujours à la réalité historique. Donc en Algérie, j'espère qu'ils ne vont pas tomber dans ce panneau-là et qu'ils vont reconnaître le multiculturalisme qui existe en Algérie et puis la pluralité qui existe effectivement dans le pays.
C'est ça, c'est important. D'ailleurs, même en France, on revient à la région, la décentralisation, etc. On reconnaît, on a parlé des langues régionales au niveau européen, donc on revient sur ce qui a été fait, sur cette volonté de nier l'origine des gens, ou leur histoire, leur parcours, leur culture. Le problème en France, comme disait Sayad, c'est que ici, il faut se fondre dans un moule. Et on oublie qu'on a été des immigrés, on nous demande d'oublier d'où on est venu. Par exemple, aux États-Unis, dans cet exemple-là, ce qui est intéressant de signaler, c'est que tout le monde se définit comme un immigré qui vient d'ailleurs, et que c'est une démarche qui va de soi. Tandis qu'ici, en France, on est toujours obligé de se justifier. On demande d'oublier, on demande de t'effacer et de te conformer totalement à une culture, non pas qu'on rejette cette culture ou quoi que ce soit, mais au contraire, nous on a envie de vivre avec les deux, on n'a pas envie de se séparer de l'une ou de l'autre, ou de faire des exclusives, non, on a envie de développer les deux, c'est un héritage historique. Je ne vais pas aller jusqu'à dire comme Kateb Yassine que c'est un trésor de guerre, parce que moi je n'ai pas eu à faire la guerre. Donc il faut vivre avec ça. C'est un fait accompli qui a été apporté par l'histoire. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas de justification autre à apporter. On a vécu avec cette double appartenance, il fait partie de notre vie et de notre existence. Et il n'y a pas de justification à apporter de plus. Mais c'est ce qu'on appelle l'injonction intégratrice. Il y avait cette injonction à un moment de s'intégrer, mais on ne savait pas à quoi et comment. Et c'était quoi le modèle? Qu'est-ce que vous en pensez de cette injonction-là qui a produit quand même beaucoup de dégâts, la discrimination? Tu sais, le discours de l'intégration, il faut se rappeler, comme dirait encore Sayad, je vais le citer, il faut se rappeler le plan de Constantine qui avait été proposé pendant la guerre d'Algérie. L'intégration, c'est l'assimilation, c'est le renoncement à un certain nombre de choses. Renoncer à ses parents, en fin de compte, c'est un reniement, c'est même plus qu'un renoncement, c'est un reniement complet. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, moi, je suis né et j'ai grandi en France. Tu vois. Et il n'y a pas plus français, c'est une façon de parler. Comme je t'ai dit, moi j'ai grandi dans une famille extra élargie, qui a immigré très tôt, où il y avait une vie familiale très intense, dont j'ai gardé un souvenir très fort, et dont j'ai pu rendre compte dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Contes de Mimoun Gelaïvest de Paille, qui sont des écrits de jeunesse, des écrits littéraires, dans lesquels j'ai voulu rendre compte de l'ambiance familiale dans laquelle j'ai vécu. Quand je t'ai dit famille extra élargie, parce que j'ai connu jusqu'à mes arrière-arrière-grands-parents, on a vécu collectivement dans des appartements communs et tout ça, en plusieurs fratries. Et puis moi, j'étais l'aîné de ma fratrie, dans les familles kabyles, l'aîné, il suit un véritable parcours initiatique, parce que il a un certain nombre de responsabilités à assumer. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu à fréquenter très jeune mon village, à être mis en relation avec les membres de ma famille, à connaître ma généalogie, à connaître qui est qui, à savoir comment on doit se comporter dans ses droits et ses devoirs à l'égard de ta dirt, le village, sa famille, respecter le hurma, l'amstahi, le qadra, le hiya. Moi, j'ai été élevé là-dedans et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à me construire. Ça a été une boussole dans mon existence et dans cette société dans laquelle on a grandi. Et donc, dans ce cadre familial, Ce que souvent la sociologie des jeunes immigrés ou qui s'intéressent aux jeunes immigrés, ils oublient une chose, c'est qu'on est né ici et jusqu'à l'âge de 16 ans, on s'est construit comme des étrangers. C'est-à-dire que quand on remplissait les papiers, quand on allait ici ou là et qu'on devait, on était nationalité algérienne. Et souvent, c'est un aspect de notre existence. Donc là encore, c'est même pas une question de revendiquer ou quoi que ce soit. C'est un fait objectif, c'est-à-dire pendant une partie de ta vie, alors que tu es ici, tu te construis comme un étranger, parce que de fait, objectivement,
quand on demande sur le plan administratif, c'est pas que simplement remplir des papiers, ce genre de choses, ça a des effets, hein, en retour, hein, sur le comportement qu'on peut avoir, sur comment on se construit, comment... Donc c'est la première chose à dire, hein. C'est pas autre chose avant de se définir contre ou pour et tout ça. Il faut partir de la réalité telle qu'on l'a vécue, et notre réalité c'est ça. Et du jour au lendemain on t'accorde la nationalité française, ça pose problème parce que on se demande pourquoi on nous l'a donné comme ça. Parce que d'une certaine manière à cet âge-là on nous aurait demandé, en tout cas moi à mon âge on m'aurait demandé si je devais choisir. J'aurais jamais choisi, j'aurais gardé ma nationalité algérienne et j'aurais pris une carte de résidence. D'ailleurs, il y a un film qui a été un documentaire qui s'appelle Question d'identité, où avec mes oncles, c'est ce que déjà on disait. Hein, ce qui était, avec l'apparition de la politique de l'immigration au début des années 80, c'était une manière de lutter contre notre algérianité et contre le fait que, aussi sur le plan historique, on avait eu à avoir des relations conflictuelles avec la France qui se terminent avec une guerre et que finalement, on est comme dans la situation de la France avec l'Allemagne à une certaine époque qui ont eu à entretenir des animosités. Ben, un jour, il faudra y mettre fin parce que ça nous mène des deux côtés de la Méditerranée à des extrémismes et à des comportements qui peuvent mener que à la guerre civile ou à l'affrontement entre les gens. Ce qui, si on se rappelle comment s'est passée la guerre d'Algérie, qui est une guerre, j'allais dire, psychologique, et en ce moment, on a l'impression qu'on est dans cette ambiance-là. Moi, personnellement, j'ai pas envie de vivre ce type de guerre. C'est et nos parents, ils nous ont suffisamment édifiés sur ça pour qu'on puisse éviter de telles extrémités ou d'en arriver à des choses comme ça. Mais d'ailleurs, je monte sur les comptes des Mugadaï, donc vaisseau de paille. c'est la photo que vous avez prise pour la couverture, elle est explicite, elle est de cette époque-là. Dans les années 50. Voilà, des gens. Alors, c'est une photo qui est tirée d'un reportage de Paris Match, qui a été publié en 55 à la suite d'un événement qui s'est déroulé dans le quartier de Barbès le jour de l'Aïd Amqaran de cette époque-là, c'était le 30 ou le 31 juillet. L'Aïd Amqaran, c'est l'Aïd El-Kbir pour ceux qui sont voilà. Et le grand Aïd. Donc ce jour-là, en 55, le 30 ou 31 juillet, c'était le jour de la fête de l'Aïd, et donc les immigrés se sont rassemblés à Barbès. Et malheureusement, il y a eu une émeute dans le quartier ce jour-là. Et c'était emblématique quand je suis tombé sur ce numéro-là qui rendait compte de cet événement-là avec beaucoup de photos. J'étais étonné d'apprendre ces faits par ce numéro-là alors que j'en avais jamais vu la trace ailleurs. Et Dieu sait que bon, je me suis intéressé à l'histoire de l'Algérie, aux historiens qui ont travaillé là-dessus, que j'ai énormément lu et je me suis cultivé pas mal là-dessus. J'étais étonné de cet événement, donc j'ai essayé d'en savoir plus et j'ai été, à la bibliothèque historique de la ville où pendant, sur une période de 6 mois, j'ai épluché la presse 2 mois avant l'événement et 4 mois après, avec 6 journaux différents pour essayer d'avoir une objectivité, bon, je ne sais pas si c'est objectif, mais en tout cas avoir un point de vue sur cet événement qui a été tenu au moment où, juste après les faits, en tout cas par les journaux et les rapports qui ont été rapportés par les médias de l'époque. Et donc à la suite de ça, comme je n'avais pas les moyens, puisque je travaillais, j'avais des enfants, je n'avais pas les moyens de mener l'enquête au-delà et que je ne voulais pas être frustré, je me suis servi de l'enquête que j'avais menée pour commencer un roman qui s'appelle Barbès Blues au temps du couvre-feu, et l'histoire commence dans le cadre de cette émeute. Et c'est l'histoire d'un immigré qui retourne dans son pays. Et donc le feuilleton, il est en cours. Il y a la semaine dernière le 86e épisode qui est sorti. Et dans ce roman, l'intérêt, c'était de montrer l'univers, l'imaginaire de nos parents, parce que souvent, nos parents... l'image de nos parents, elle est réduite à des c'est des forces de travail ou alors à des clichés, à des clichés, voilà, on va les dire, à des clichés.
Et si tu veux, dans mon parcours initiatique, j'ai eu à faire des études à l'Institut National des Langues Orientales. Donc, à l'INALCO, donc je suis ce qu'on appelle un berbérisant. Et donc j'ai obtenu mes diplômes là-bas. Par la suite, j'ai soutenu un mémoire de Master 1 sur l'histoire de la petite Kabylie à partir des archives personnelles d'Abdelmalek Sayad, que j'ai soutenu à Paris 8. Et donc en allant à l'INALCO et donc en prenant la décision d'apprendre à lire et écrire le kabyle et les autres langues berbères, bah il faut bien on n'apprend pas qu'une langue, on n'apprend pas qu'un code, on apprend aussi plein de choses sur l'histoire et la culture des gens qui parlent ces langues-là. Donc à l'INALCO, j'étais dans un contexte idéal dans tous les domaines des sciences sociales, depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours, pour avoir une formation solide au niveau de la bibliographie, les références et tout ça, concernant cette histoire-là et concernant la langue berbère, la littérature berbère. Et on travaillait essentiellement sur le matériau oral. Qui ont été les matériaux oraux qui ont été recueillis par toute une chaîne sur un siècle et demi par toute une chaîne de berbérisants qui ont recueilli la tradition orale et qui est accessible à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui s'est passé donc à l'INALCO, je travaillais, le matériau essentiel sur lequel on travaillait, c'était sur cette tradition orale. Et moi, quand je rentrais à la maison et que je me retrouvais en famille, qu'il m'arrivait de citer des poèmes auxquels on nous avait initiés à Langzo, ou des poèmes, de la poésie orale, ou alors des proverbes, Timushoal et les contes. Mmh. Et tout d'un coup, j'avais pu remarquer qu'à la maison, on s'étonnait. Des fois, il y en a, ils terminaient le poème. Il y en a, ils me disaient, mais on sait que tu as appris ça. Des fois, je leur parlais de certains rituels qui avaient lieu à l'époque. Et il me disait, mais qu'est-ce qui t'a appris tout ça? C'est pas nous qui t'avons appris ça. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose. D'abord, que je parlais pas le kabyle aussi bien que je le pensais. Deux, que je comprenais pas aussi bien, tout ce que nos parents nous disaient. Et que en passant, et troisièmement, que je me suis posé des questions parce que je me disais, je vais à la fac, je ramène du matériau de la fac, je vais à la maison, et à la maison ils connaissent mieux qu'à la fac. Donc là, à un moment donné, je me suis posé des tas de questions. Donc je me suis dit aussi, sur le plan de l'exil, ça correspond aussi à tout ce que les parents, ils n'ont pas pu, dans l'exil, nous retransmettre. Donc d'une certaine façon, par ce passage, j'ai pu me réapproprier tout ça. Ton identité, ta culture, ton histoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis sorti d'une certaine ignorance. Et ça, c'est une grande découverte qui m'a permis de faire un basculement. En découvrant tout ça, j'ai voulu faire partager à ceux qui vivent ici toutes ces choses-là que j'avais découvertes. Parce que j'avais envie aussi qu'ils sortent de l'ignorance dans laquelle moi-même je me suis trouvé. Parce que peut-être je me suis dit, ça va rendre service. Voilà, et bon, ça c'est une des applications, Barbès Blues, ouais. Mais il y a eu aussi avec les femmes des tilleuls à Blanc-Mesnil. Ça on a vu, les livres là, vous avez écrit Vu d'ici, là. Voilà, c'était le journal des femmes des tilleuls. J'ai vu un spécial pour Abdelmalek Sayad, un spécial sur la marche. Voilà, avec Zouina Medour qui était à la tête du centre social de la Maison des Tilleuls, ouais. Et qui a initié ces projets-là avec un groupe de femmes. Un groupe de femmes d'âge différent. Donc il y avait de vieilles femmes kabyles aussi dans ce groupe. Et ces femmes ont mené une action sur plusieurs années. Elles avaient un journal, elles ont monté des pièces de théâtre. Elles ont fait le tas de choses, j'ai pas le temps d'initier, on n'a pas beaucoup de temps. Ils ont fait Postavali, je crois, aussi là-bas, non, au Tilleul. Salagawa sur l'immigration, sur les parcours aussi. Sans doute, peut-être, oui, ils avaient fait des expositions, j'ai pas le temps, mais ce serait sympa un jour de faire venir Zouina. Parce qu'elle aura beaucoup de choses à dire. On le fera pour Zouina. Et donc, juste pour revenir, pour clôturer sur les femmes des Tilleuls, donc moi j'ai eu à concevoir et à animer un stage de formation dans le cadre de ce groupe de femmes, pour qu'elles puissent choisir des textes d'entretien qu'Abdelmalek Sayad a mené dans le cadre de son travail de recherche.
et pour les amener à choisir des textes qui ont servi par la suite à une pièce de théâtre qu'on a joué ensemble et qui a été mise en scène par Philippe Boulet. Pour le journal, je voulais aussi citer Marina, voilà, et puis Marina, femmes. C'est pas Marina, comment c'est Marina, comment J'ai oublié son nom. Je crois qu'elle était toute avec des trucs de femme. C'est la même Marina qui est à l'LDH, tout ça et tout. Non, c'est pas celle-là. J'ai oublié son nom de famille, elle va me tuer. Enfin, Marina, on te salue quand même, il te le tue pas. Il a essayé de faire des efforts. Mais il y a un truc qui m'a. Après, on va y revenir quand même pour en parler. Farid, c'est assez intéressant ce que tu dis justement quand tu disais on s'est considéré pendant longtemps comme immigré. C'est intéressant dans les trajectoires, dans les parcours pour se projeter. Et moi, il y a un truc qui, dans ce que tu dis, quand tu dis que tu as fait le tour par rapport aux langues berbères, alors c'est vrai que c'est les langues berbères. La racine, je crois que c'est le tifinagh, hein, toujours, des fois, si je me. Alors le tifinagh, faut pas. Le tifinagh, c'est. Alors, le tifinagh, c'est l'alphabet, et il en existe plusieurs sortes, qui est utilisé par les tribus Touareg, qui se trouvent sur différents territoires africains. Qui sont des berbères. Qui sont des berbères, absolument, et qui se répartissent sur la Libye, l'Algérie, le Mali, au Burkina Faso, le Nord-Niger. Au Niger. Donc, il y a une présence des berbères, pas seulement... ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, mais aussi dans l'Afrique subsaharienne, et une histoire qui remonte, qui est ancienne, ça, de ces groupes-là. Et donc c'est un alphabet, une écriture qui est utilisée par les Touaregs depuis maintenant des siècles pour communiquer à travers des messages très courts, pour des usages assez limités quand même. Et qui a été remis au goût du jour par les berbérisants qui sont apparus au cours des années 60-70, qui ont estimé nécessaire et utile d'affirmer dans le cadre de l'identité berbère une forme d'écriture qui aurait existé dans le temps. Et il y a un certain nombre de mes professeurs ou de chercheurs qui ont essayé de nous faire comprendre que ces signes tifinagh descendent, si vous voulez, de ce qu'on appelle le libique, l'écriture libique, l'écriture pratiquée par les habitants de ce qu'on appelait la Numidie. C'est le royaume de Numidie. Et à l'époque de Carthage et tout ça, des royaumes numides. Avec la Mauritanie. Alors là, il nous faudrait des 20 des heures, on n'a pas de la vacuité parce que ça. Répondre vite fait et de manière un peu résumée, parce que. On en fera des émissions. Voilà, il faudra inviter. Mes professeurs que j'ai eu au CRB qui sont très, tu le fais très, très bien. Calés là-dessus. Non, mais je sais que tu le fais très bien parce que, d'ailleurs, c'est des langues parce que on voit bien, moi qui suis d'une région qui s'appelle Esselhin, parce que je suis de Sahli, la Kabylie maritime, Tichy après Tichy, tout ça. Nous, par exemple, quand on dit Afrous par rapport à la Grande Kabylie, Afrous chez nous, c'est le concombre. Et en Grande Kabylie, Afrous, c'est le melon. Par exemple, Afrour chez nous, c'est le coq. En Grande Kabylie, c'est l'ayazed. Donc on a aussi quand même des variantes, et pourtant elle est à côté. C'est l'oiseau pour la Grande Kabylie. Non, mais pour moi, je vais te donner un autre exemple. Tu as raison pour ce qui est de la Kabylie, mais Afrour, pour quelqu'un qui parle Tachelhit, c'est un jeune garçon, Darchich. Oui, c'est vrai, Darchich, ouais, c'est par ça. Par exemple. Tachelhit, Tarifit aussi, tu par vois. Par exemple, pour donner aussi un exemple de la variation qu'il peut avoir dans le sens de certains mots qui peuvent être utilisés, par exemple, dans différents parlers berbères. Par exemple, Asenso, par exemple, c'est un exemple de M. Chakir que j'aime bien, qui me revient à l'esprit vite fait, qui nous disait, par exemple, qui nous le rappelait, bon, je ne sais pas si, j'espère que je serai fidèle à l'exemple, qui nous disait, par exemple, Asenso en kabyle, ça veut dire kabyle. Mm. Bon, c'est normal parce que ça vient de la racine verbale ens, qui veut dire passer la nuit. Mm. En Touareg, Asenso, ça ne veut pas dire un hôtel, ça veut dire la tombe, c'est-à-dire le lieu où tu passes la nuit éternelle. Mm. Bon, par exemple, voilà, c'est des variations sur le plan du sens qu'il peut y avoir alors qu'on utilise le même terme. Par exemple, il y a un autre sens, là on va prendre un exemple en Tachelhit en Kabyle. Par exemple, pour
Par exemple, en Kabyle, pour dire une maison en dur, c'est vrai, on dit Hemsdourth. Hemsdourth, c'est. Tu peux dire aussi Acham. Acham. Acham, voilà. Sacham, Hemsdourth. Par exemple, en Tachilhit, on va retrouver le terme Hemsdourth, par exemple. Mm-hmm. Mais tu ne retrouveras pas le terme Acham. Par exemple, j'ai eu le malheur à Agadir une fois de discuter avec un. J'ai fait l'effort de parler un peu Tachilhit parce que quand même j'ai suivi des cours de Tachilhit avec M. Bounfour, mon professeur M. Bounfour en Tachilhit. Donc quand je vais là-bas, je fais l'effort de quand même de réutiliser ce que j'ai appris pour que ça me serve à quelque chose et que c'est une utilité. Et à un moment donné, je lui ai dit parce que Igilla c'est du Kabyle. Qu'est-ce qu'il y a, ouais, Igilla, c'est. Donc j'ai essayé de parler en utilisant des formes verbales. Il n'a pas compris. Si, il a très bien compris. C'est-à-dire comment elle est ta maison. Ouais. Et il a été choqué parce que c'était comme si je lui demandais comment va ta femme, tes enfants. C'est-à-dire ça renvoie à l'unité sociale. Parce qu'en Kabyle, Acham, ça veut dire la maison en dur, mais ça renvoie ça aussi à l'unité sociale. Voilà. Acham, c'est le Fouham. D'ailleurs, on dit c'est le Fouham, embrasse les gens de la maison. Voilà. C'est ça. Les expressions, donc, fais attention. Et là, par exemple, il y a une divergence dans le sens. Mais bon, parce que, et pourquoi Acham aussi, on pourrait se poser la question, parce que Acham, ça, c'est pas un mot berbère à l'origine, c'est un mot qui vient de l'arabe, hein. Mais ouais. C'est un emprunt à l'arabe qui veut dire tente. Donc là aussi, il y a des questions qui se posent. Sur Tamsdourth et Acham, c'est vrai. Tamsdourth, c'est vraiment la maison en dur du sédentaire, tandis que Haïma, ça renvoie à la structure sociale, mais aussi à la maison en dur. Mais par rapport aux Kabyles qui sont devenus des sédentaires, ça nous interroge sur le passé des Kabyles qui auraient pu être aussi des nomades qui sont devenus des sédentaires, retrouve ce terme d'Acham qui renvoie à la tente. Qui, chez les nomades, était aussi renvoyé à une unité sociale, Kibale. Qui est la tente. Voilà, la tente qui regroupe, nous on la dirait famille. Adrôme aujourd'hui, Acham, bon, enfin, même s'il y a des différences entre les deux termes, on ne va pas rentrer dans le thème, mais c'est parce que l'émission, alors, comme on va aller presque vers la fin, Farid, parce que c'est vrai que c'était intéressant de t'écouter, je voudrais juste que tu reviennes sur ce qui marche encore, un peu nous parler un peu de cette émission, parce que toi, tu as cité beaucoup Abdelmalek Sayad, qu'on aime beaucoup d'ailleurs sur Habitus, qui est des Bourdieu d'ailleurs, c'est un grand sociologue, qui n'est pas assez connu à mon sens, on s'était battu pour un collège, on s'était battu pour des choses, mais moi, tu sais, ce qui m'a amené à la question politique, à l'objet politique, c'est cette phrase d'Abdelmalek Sayad qui disait exister, c'est exister en politique. Ah oui, exister politiquement, on ne peut pas dire le contraire, hein. On est obligé dans les sociétés, même dans toutes les sociétés humaines depuis que l'humanité existe. Tajmat, c'est public, c'est politique. C'est une assemblée politique. Démocratique qui débat sur des sujets qui concernent la société. Oui, on peut dire démocratique, bien que. Ouais, ça, c'est avec les termes actuels, mais bon. Normalement, c'est démocratique, puisqu'il y a le débat, on écoute tout le monde. Oui, si on utilise ce terme-là, bon, même si à l'époque, à l'époque où Tajmat était effectivement. C'était plus démocratique que maintenant, non, quand même, déjà. Ah, ben, si on utilise ce genre de vocabulaire, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, on a abordé plus la littérature, les aspects ethnosociologiques, linguistiques. Et de linguistique aussi, de sociolinguistique comparée ou autre, tu vois, un peu rapidement et résumé comme ça, vite fait. T'as écrit sur Slimane Azem, voilà, voilà, c'est plus l'aspect de mon travail qui touche à la littérature, l'enquête journalistique. Tandis que là, avec ce qui marche encore, donc là, ça aborde plus l'histoire politique dans l'immigration, l'histoire des luttes qu'on menait. Et dans cette exposition qu'on menait nos parents et ceux qui sont venus après eux, nous, et qui racontent 40 ans de vie politique des associations et des regroupements politiques qu'il y a eu dans l'immigration après l'indépendance. Donc c'est une somme de travail assez importante et qui a essayé de rendre compte de toutes les tendances, de tous les mouvements, quelle que soit leur couleur politique, afin que les gens de ce pays-là, immigrés ou pas, soient informés de ce qui s'est passé dans ce pays, sur le plan politique, dans l'histoire politique, concernant les populations immigrées, notamment les populations du Maghreb,
entre autres, hein, puisque, mais il y a aussi des populations aussi, des autres immigrations, avec qui on a eu à faire des choses aussi avec elles. Donc cette exposition en porte la trace, c'est aussi ça. Bon, donc dans ce document, on y trouve tous les panneaux. On peut se les procurer où? Alors là, c'est des documents qui sont épuisés, mais ce que je voulais dire, c'est que cette exposition, elle a été réalisée essentiellement par Tarek Kaoutari, avec l'aide d'Ali Semblant aussi, qui a fait... On salue Ali, c'est le roi de la formule magique. Pour le magique. Compte de l'Écho des Cités, l'association qu'on a créée... Tarek aussi, on le salue, parce que Tarek a toujours mené le combat contre aussi. Ah bah oui, non mais là, c'est aussi le fruit de son travail, donc c'est bien de le mettre en avant, parce que bon, avec Ali, moi mon travail a consisté dans ce cadre-là à faire le commissaire de l'exposition, c'est-à-dire à documenter et à établir, si tu veux, à faire une sorte de bibliographie de tout ce qui est avancé dans cette exposition, parce que on s'est appuyé sur des sources qu'on peut retrouver et sur lesquelles on doit s'appuyer pour prouver ce qu'on dit, quoi, voilà. Farid, avant de conclure, mais je voudrais avoir ton regard justement sur ces 30, un peu plus de 30 années de lutte, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus en réalité, mais justement parce que c'est la marche pour l'égalité, parce que même si on a voulu dire, 30 ans après, quel regard tu portes sur ces luttes par rapport à, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est dans une régression, parce que sémantiquement on s'est laissé emporter, ou est-ce que, je sais pas, quel regard toi tu portes là-dessus, avec le travail que tu as fait, les recherches et tout? Ben, moi, comme... Si tu veux, moi, je me sens comme dans la même situation, si tant est que je peux me mettre à sa place, mais je vais expliquer en même temps ce que je voulais dire. J'ai l'impression d'être comme dans la situation de Si Mohand ou Mohand, qui a été dans la situation de constater le basculement de la société ancienne avec son ancienne civilité, pour utiliser un terme saïadien, qui préexistait avant la conquête, la violente conquête française et l'instauration de la colonisation, qui a fait disparaître l'ancienne civilité et l'ancienne société traditionnelle orale berbère qui existait à l'époque, et qui a assisté au démembrement de cette société, à la déstructuration de cette société qui préexistait à la conquête et à la colonisation, et qui a vécu ça comme un drame. Et j'ai l'impression que la société française, depuis 30 ans, elle a été déstructurée, complètement déstructurée, et que la France qu'on a connue quand on était petit, dans les années 60-70, dans laquelle on a grandi, et dans laquelle on a connu les anciennes solidarités, les anciennes civilités qui existaient dans l'immigration, mais qui existaient aussi de manière plus large dans le voisinage, dans le prolétariat français, voilà, aussi, dans le prolétariat aussi immigré. Passe-moi le sel, l'huile, va chercher la pomme, le pain chez la voisine. Donc, voilà. Que ce soit le monde de l'interconnaissance, la civilité des immigrés comme celle des ouvriers français a été démantelée. Donc moi, je trouve qu'on est dans une phase de déstructuration de la société. On est dans un entre-deux où on a tout enlevé, et on est en train de mettre des choses nouvelles dont on ne sait pas très bien ce qu'elles vont donner. On ne sait pas trop. On est dans un entre-deux sans savoir vraiment où on va. Même si, au fond de nous-mêmes, sur le plan, on est déjà dans le monde de demain, sur le plan moral, sur le plan même culturel, même si il y a des résistances encore très fortes aujourd'hui, parce que les gens ont des conceptions de la culture figées, qui croient que la culture, les sociétés sont toujours les mêmes, qu'elles sont, il y a un modèle unique qui bouge pas et tout ça, c'est pas vrai, c'est quelque chose qui est faux. Et pour toutes les cultures, pour toutes les sociétés elles sont en mouvement, les hommes, les humains, les femmes, ils sont en mouvement, ils changent tout le temps, ils subissent les changements de l'histoire, ils y participent aussi au changement. Donc on est dans un changement, dans une déstructuration, et sur le plan politique, il n'y a qu'à voir, l'éclatement du Parti Socialiste, l'éclatement du Parti Communiste, des Verts, des Verts, de la droite, l'éclatement de l'antiracisme français traditionnel. Et moi, je trouve ça, je suis d'autant plus sûr de ce que je dis que dans l'immigration, dans la mouvance politique immigrée,
qui est multiforme. Hein, je ne la réduis pas à un groupe ou un pas. Alors là, je souligne ça. Hein. Parce que j'ai une vision très large et une conscience très large de ce qu'a été notre, l'histoire politique de l'immigration, et je ne la résume pas à un groupe. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ces idées-là de changement, déjà avant la marche pour l'égalité, pendant la marche pour l'égalité et après, elles ont, on n'a pas arrêté de les prévenir. Il y a des gens, je ne parle pas que pour moi, je parle pour aussi un tas d'autres gens d'anonymes ou même qui ne sont pas connus, qui ont porté ces combats-là. On n'a pas arrêté, pendant 30 ans, on n'a pas arrêté de les prévenir de leur désintégration. Eux, ils ont misé sur la nôtre, mais c'est la leur, dont on savait qu'elle allait venir. Elle est arrivée. Et là, eux, ils sont dans un problème maintenant. C'est leur survie qui est en jeu. Nous, la nôtre, comme je te l'ai dit, le démantèlement de la sociabilité, ils l'ont fait le travail, si j'ose dire. Et nous, on a assisté à ce démantèlement. Tu vois, on l'a vécu durement, mais on l'a affronté. Et pour utiliser un terme, on a qabel. Voilà, qabel qui veut dire faire face. Voilà. Merci Farid. Alors, on a dépassé un peu, mais c'est tellement intéressant. Alors, je pense qu'on fera une émission à l'acte 2 avec Farid pour continuer la discussion, parce qu'on a beaucoup de choses à voir avec lui. Et c'est intéressant quand même de vous faire partager ces éléments-là. Donc, nous, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous et bonne soirée.